Sarag, que je remercie évidemment d'être venu nous revoir et de faire deux séminaires, puisqu'il y a le séminaire de ce soir, 17h-19h, et demain, un second séminaire, 10h30-12h30, donc on a 4 heures là, avec lui, et je vais peut-être commencer tout de suite par dire la chance, parce qu'on ne le mesure pas toujours, mais la chance que nous avons de l'avoir pour nous, puisque François Lisserag est quand même l'un des plus grands spécialistes du travail sur l'image. Et quand je dis ça, je ne rends compte que de manière imparfaite de son travail, parce que pour nous, pour beaucoup d'entre nous, il est aussi celui qui nous a appris à lire les images et à les travailler, ce qui est encore plus, ben, voilà, c'est déjà bien maîtriser un matériel historique, c'est déjà beaucoup, mais nous donner à nous la capacité qui, au fond, ne traitions pas des images, ou pire, qui les traitions comme des illustrations. Nous avons, c'est-à-dire, comme vous savez, vous avez tous vu des PowerPoint avec une image qui vient compléter, illustrer un propos, et François nous a forcé en quelque sorte, nous encourage à les traiter comme source, c'est-à-dire les étudier pour elles-mêmes, et pas simplement comme un petit complément illustratif à des sources littéraires, à des textes qui souvent nous sont beaucoup plus familiers. Et ça, je crois que je le souligne parce que, que ce soit sur un thème précis ou sur un thème plus général, ce que vous allez entendre contient de toute façon cette dimension-là méthodologique, c'est-à-dire la manière qu'a François d'étudier les images traduit sa réflexion globale sur les images, et je crois que voilà, il faut le souligner méthodologiquement, donc dans tous les cas, que vous soyez directement intéressé pour vos recherches, ou parce que c'est vos préoccupations, par son sujet du jour, ou que vous êtes intéressé par l'Antiquité, il y a, je crois, beaucoup d'intérêt à l'écouter. Il est donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit, la dernière fois il avait dit non, mais j'ai oublié, mais un nombre incalculable et faramineux d'articles, donc voilà, beaucoup. Parmi sa production récente, je crois que c'est ton dernier ouvrage, La Cité des Satyres. Ouais. La Cité des Satyres, donc. Qu'il a sous-titré avec cette expression qui le caractérise bien, une anthropologie ludique, que j'aime beaucoup, et qui est un livre que je trouve pour ma part extrêmement important, et qui, derrière l'étude donc d'un motif iconographique, les satyres, localisés en particulier à Athènes, donc qui apparaît à un moment particulier, dans une cité particulière, nous introduit à une réflexion à plusieurs niveaux, alors de directions multiples, sur l'animalité, le rapport nature-culture, donc très anthropologique de ce point de vue, mais aussi sur l'histoire de la sexualité, l'histoire du désir, la question du mariage, puisque le satyre est une figure qui perturbe le mariage, les unions légitimes, et donc ça nous oblige à réfléchir sur ce qu'est une norme, et comment, au fond, les anciens, les Athéniens en particulier, étaient capables, dans leur propre régime normatif, d'introduire des intrus, des figures qui viennent perturber, questionner leurs propres normes. Et ça, je crois que dans une réflexion plus large sur ce que peut être la démocratie athénienne en particulier, la présence de ce genre de figure, l'existence de ce genre de thème, est tout à fait, me semble-t-il, révélateur de ce que peut être, à un moment donné, une manière d'être démocratique, hein, un éthos démocratique, hein, qui est la capacité de toujours remettre en question ses propres évidences. Cette figure de satyre y amène. Donc, voilà, pour son dernier livre, sinon, bien sûr, 1990, L'autre guerrier, enfin voilà, vous avez énormément de travaux, sa participation à la Cité des Images aussi, donc il y a vraiment là des travaux extrêmement importants qui sont souvent peut-être trop négligés encore. Et donc c'est ma petite marotte que d'essayer d'encourager chacun et chacune d'entre nous, quel que soit son travail, à y regarder de plus près. Je lui cède tout de suite la parole et je le remercie encore d'être venu parmi nous. Merci, bon ça c'est un peu la honte, hein, franchement. En tout cas, merci beaucoup, parce que moi ça me donne l'occasion de mettre un peu à plat ce que je fais, de faire de l'ordre. J'essaye de m'expliquer sur ce que je fais, en effet. Et l'intérêt d'une présentation comme ça, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'images. Il y en a 120 aujourd'hui. Et dans un livre, s'il y en a 50,
on est content. Donc ça, c'est l'avantage évident. Et puis, encore une fois, il y a à peu près 80 000 vases attiques connus, répertoriés, et il y en a sans doute davantage encore dans les aires de musée. Donc on a un matériel énorme. Et ce qui m'intéresse, en effet, ça a été de regarder un peu comment ça marche. Pas juste, tiens, j'ai besoin de ça, et alors est-ce que tu as une image qui permettrait d'eux, mais qu'est-ce que c'est que ce matériel, comment ça fonctionne. Évidemment, un des caractères extrêmement intéressants de ce corpus, c'est le problème de l'écriture dans l'image. C'est une question que les historiens d'art traitent à toutes les périodes, il y a 36 réponses. Pour partir de notre culture à nous, dans la BD, tout l'écrit est soigneusement isolé du dessin. Alors, il y a des variantes, et puis les graffeurs aujourd'hui, ils font de la lettre quelque chose de tout à fait intéressant. Mais disons jusqu'à mon âge, disons la fin du XXe siècle, c'était deux mondes un peu séparés, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Dans le cas grec, et je vais partir de là, le mot même graphène est un mot intéressant parce qu'il couvre les deux choses à la fois. C'est-à-dire graphène, c'est érafler, gratter, écorcher, et ça s'applique aussi bien à l'écriture qu'au dessin. Et après, il y a des composés, donc il y a plein de variantes, mais ce double mot-là est important, et je vais y revenir. Mais avant de me lancer, j'ai rien inventé, hein, il y a quelques outils qui sont extrêmement pratiques, donc je ne sais pas, avec cette lumière-là, si vous allez arriver à voir quelque chose, il faut sûrement éteindre. Parce que une des difficultés sur ces questions d'écriture sur les vases, c'est que souvent les inscriptions, on ne les voit pas bien. Il faut éteindre. Hein. Ah, et si on éteint, il n'y a plus de vidéo, c'est ça? C'est vous qu'on ne voit plus. Hein. Non, mais si on ne me voit pas, ce n'est pas grave. Ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce dont je parle. Et puis on mettra ma gueule à la fin et ça va bien. Donc, il y a quelques outils. Le premier, qui est fait par un épigraphiste, Henri Mervard, c'est une histoire de l'écriture athénienne. Attic script, c'est l'écriture attique. Et survey, c'est une espèce d'échantillon chronologique. Et il prend massivement en compte les inscriptions sur les vases, mais aussi sur les pierres, et donc l'histoire des lettres dans l'alphabet attique. Vous savez peut-être que la forme des lettres, elle change avec le temps, et que c'est un outil chronologique très important. Donc on a ce dossier-là, et pour les vases, c'est ce qu'on a de plus récent, pour les vases attiques. On a en revanche un bouquin qui est absolument la Bible, si ces questions vous intéressent, ce livre-là qui commence déjà, enfin qui a presque 20 ans d'âge, il n'a pas pris une ride, et c'est une mine. C'est un livre qui rassemble tous les vases connus en 2000 avec des inscriptions, hors la céramique attique. Ça veut dire le corinthien, le béotien, le calcidien, le laconien, enfin, toutes ces productions citées par cité qui couvrent le 7e, 6e, 5e siècle. C'est des dossiers évidemment moins gros. Il y a peut-être un millier de vases corinthiens avec des inscriptions. Les vases attiques avec des inscriptions, je ne sais même pas combien il y en a. Mais ça va dans les 10, 30, 40 000. Alors ça, c'est le deuxième outil. Après, on a un outil en ligne qui est extrêmement précieux. Bon, ouais, je ne sais pas si vous arrivez à lire ça. Donc il y a une base en ligne qui se développe à très grande vitesse, qu'on appelle l'archive Bisley, Bisley Archive à Oxford. Et si vous faites Google Bisley Archive, vous tombez sur ce site. Et sur ce site, il y a plusieurs choses. Il y a les pierres gravées, il y a des inscriptions, il y a la poterie. Et chaque objet est décrit sous cette forme-là. Donc, à la fois, ça date. La chronologie dans l'archive Bisley, elle n'est pas utile parce que c'est par demi-siècle et qu'on peut faire beaucoup mieux. Quand il y a des photos, ils en donnent. Ils donnent toute la bibliographie des publications où il y a une photo. Donc ce n'est pas une bibliographie complète, puisqu'il y a des articles où on en parle sans les illustrer, ils n'apparaissent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez la fiche, les images, vous pouvez vous faire votre album, et puis il y a un truc là qui s'appelle CAVI, qui veut dire Corpus of Attic Vase Inscriptions. Donc c'est une autre entrée pour la même chose, et quand il y a des inscriptions, ils vous les donnent en transcription et ils les discutent. Et ça, c'est le travail de Immervard, le même Immervard qui nous a publié cette espèce d'anthologie. Il a passé sa vie à faire un corpus des inscriptions, et ce corpus, il a été connecté à ce... Donc c'est très utile, et si le corpus vous intéresse, ce site, donc CAVI, qui est fait par Immervard, Updated by Vachter, c'est le gars qui a fait le non-attique,
Et il s'occupe aussi à faire ça. Donc une base qui s'appelle AVI, donc Attic Vase Inscriptions. Là, vous pouvez télécharger le corpus de Norvar. Donc, si vous aimez les inscriptions, là, vous allez pour un petit moment. Et tout ce matériel est repris fiche par fiche dans des entrées comme ça pour un vase, le même que je viens de vous montrer. Vous avez des détails ici qui sont repris et vous êtes invité à ajouter des informations. C'est une base ouverte qui évolue elle aussi très très vite. Donc voilà, les outils qu'on a, c'est ça, avec la difficulté que sur beaucoup de vases, on ne voit pas les inscriptions si on n'a pas le nez dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos, j'y reviendrai, qui ne te rendent pas compte. Et souvent, dans un bouquin où il y a un truc, on n'est même pas compte qu'il y a une inscription alors qu'elles y sont. Alors, je pars de là, et je pars d'abord des mots, du mot graphène dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une double ambivalence par rapport à ce problème de l'écriture et de l'image. La première, c'est l'ambivalence du mot graphène en grec, qui couvre le dessin et l'écriture. Et donc, nous, on a tendance à isoler ce qui est linguistique de ce qui est visuel, mais il y a des effets visuels de l'écriture, et il y a des effets linguistiques du dessin, mais je ne traite pas de ça aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, ce que nous appelons lettre en français, les Grecs ont deux mots pour ça. Et ces deux mots, c'est grammata et stoikeia. C'est un grammairien assez tardif qui fait cette remarque. Donc, dans les anecdotes de Becker, peu importe, c'est une Denis Strauss. C'est un grammairien, et il y a une scolie qui dit les grammata, il y en a 24. Elles sont appelées stoikeia, on ne parle pas de 24 stoikeia. Et le lemme se termine en disant lorsqu'on écrit, on les appelle grammata, et lorsqu'on lit, on les appelle stoikeia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je dessine une forme, ça c'est un élément, un caractère isolé, un A, un B, et ce sont ce que les Grecs appellent des grammata, des choses, elles sont sans séquence. Et les stoikeia, c'est quand je lis, parce que quand je lis, il faut que je relie les lettres les unes avec les autres pour fabriquer un mot qui a un sens. Et j'aime bien jouer sur les mots, il ne faut pas abuser, mais ça a vraiment un sens. C'est-à-dire il y a un début et une fin. Et si je le lis à l'envers... Alors bon, on peut faire du verlan, je ne suis pas assez doué pour ça, mais on pourrait dire serlette si vous voulez, d'accord. Mais il y a un sens, il y a un ordre, c'est vectorisé. Et ce point-là, il est extrêmement intéressant parce que du coup, les lettres dans le dessin, vous allez les lire dans un sens. Et votre œil, il est guidé par les mots. Et ça produit donc des effets cognitifs de perception et d'intelligence qui sont commandés par la place de l'écriture, du graphème, dans le dessin. Donc c'est ça que je voudrais regarder. J'ai mis longtemps à décanter tout ça, j'ai pas trouvé ça tout seul. Ce texte-là, c'est Sven Bro, le spécialiste de la lecture, qui me l'avait signalé, et ça m'aide énormément, parce que ce désordre des lettres, on trouve, je ne vais pas m'étendre sur ça aujourd'hui, mais on a des vases avec des lettres en vrac, parce que le gars, ça fait joli. Ça fait joli, c'est-à-dire c'est du dessin, c'est pas de la langue, c'est pas un mot parlé. Alors voilà le départ. Et puis pour pas me perdre en route et ne pas vous noyer, je pars d'une espèce de typologie des inscriptions. Ce qu'on trouve sur les vases, en gros c'est plus compliqué que ça, mais en gros on a des... Ah ouais, mais alors le rouge passe pas. On a des inscriptions qui ont à voir avec le vase. En rapport avec le vase, c'est la signature du potier ou du peintre. C'est une dédicace, l'objet est donné à Athéna ou à Apollon, ou c'est une marque de propriété, j'appartiens à un tel et celui qui me le vole sera aveuglé. Donc ça c'est un premier champ. Il y en a un second où les inscriptions ont à voir avec l'image. Elles nomment les personnages, parfois elles nomment les objets, elles font parler les personnages. Et là on entre dans des interférences tout à fait intéressantes. Et puis il y a une autre série d'inscriptions qui jouent sur les deux tableaux, que j'appelle des acclamations, c'est pas moi qui ai inventé ça, donc, qui s'adresse à quelqu'un en disant qu'il est beau, soit en général le Paiskalos, beau garçon, soit le nomme Léagros Kalos, et ce Léagros qui est nommé, tantôt il est rapproché des figures qui sont sur l'image, c'est-à-dire il est aussi beau que tel ou tel héros, ou bien ça s'adresse à un monde extérieur à l'image. Donc on va passer à travers tout ça, avec en tête... Cette double valence, ça dit des choses linguistiquement, mais visuellement, il se passe des problèmes graphiques, iconiques, je dirais, tout à fait intéressants.
Alors, les plus anciennes inscriptions, la plus ancienne jusqu'à nouvel ordre, elle vient d'Ischia, donc c'est intéressant parce qu'elle vient de la périphérie du monde grec. Ça ne se passe pas à Athènes, dans les vieilles cités, Corinthe ou comme ça, ça se passe à Ischia, une colonie EBM, on est près de Naples, sur une île, on n'est même pas à Naples. Donc, et là, on a ce fragment de cratère géométrique avec une sorte de sphinx, et comme vous le voyez, le décor est très réglé, hein, c'est des zigzags, des chevrons, des barres verticales et puis des petits tableaux. Et l'inscription, elle est elle-même réglée entre deux lignes et elle est isolée du dessin. Les deux n'interfèrent pas. Et elle se lit de droite à gauche, il y a du sens. Et on n'a malheureusement que la fin de Inos et Poiesi. Et donc, on a le verbe poien, faire, ou probablement pain et potier. Et puis, on a la fin d'un nom et on ne sait pas son nom. C'est dommage pour lui et c'est encore plus dommage pour nous. Alors là, on est voilà fin du 7e, du 8e, enfin, c'est le tout début de l'appropriation de l'écriture. Et c'est intéressant de voir que ce sont des peintres qui s'approprient cet outil. C'est la même chose dans une poterie qui vient d'Ithaque, qui n'est pas la céramique attique. On a le pied d'une espèce de cruche avec un décor géométrique de sphinx, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis à hauteur du col, une zone où on voit des lettres qui se lisent Calicleas Poiasé. Alors si vous avez fait du grec et que vous lisez l'alphabet grec, là vous avez des problèmes, parce que cette lettre-là, par exemple, dans cet alphabet-là, c'est un sigma, c'est pas un M. Et cette lettre-là, qui pour nous, ici, ressemble à ce que nous appellerions un S, c'est un I. Okay, donc les alphabets, ils ne sont pas donnés d'avance, ils se stabilisent au 5e, c'est réglé, mais toute la période archaïque, et il y a là-dessus un merveilleux livre de Jeffrey sur les Local Scripts of Archaic Greek que je vous recommande. Donc une signature, là encore, soigneusement séparée de l'image. Mais très vite, les choses bougent. Encore un fragment, tous ces vases cassent facilement, je suis désolé. Désolé de ne pas l'avoir en entier. On a le col dans une grande bassine avec une frise qui représente une course de chevaux. Et quand on y regarde de près, on a les spectateurs, ce qui est rarissime. Et puis on a deux lignes d'écriture. Celle-là qui se lit Sophilos Nigrafsen et la suivante Patroclus Atla. Donc, Sophilos m'a dessiné et puis les jeux de Patrocle. Les jeux de Patrocle, vous vous rappelez, c'est dans l'Iliade. Et c'est Achille qui les organise, le nom d'Achille est inscrit ici. Bon, on aimerait bien voir le reste, qu'est-ce qui se passe. Mais du point de vue de l'écriture, c'est très intéressant, parce que du point de vue linguistique, on a deux lignes qui disent des choses très différentes. L'une parle du vase et de l'artiste qui a fait cet objet, et l'autre nomme la scène, ce qui est tout à fait rare. Nous avons l'habitude de donner des noms aux tableaux, ça n'existe pas dans les images grecques, c'est un des très très rares exemples. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que ici, l'inscription, elle fait partie de l'image. Elle s'insère et elle s'adapte aux orientations, elle s'aligne sur les gradins des spectateurs. Et elle est orientée, le bas des lettres, il est en face du... Donc c'est comme si eux lisaient ça et nous le lisons avec eux. Nous sommes à la fois spectateurs de la course de char et des inscriptions. Il y a tout le temps ces petits glissements. Et donc très vite, les peintres se servent de ces possibilités, disons, vectorielles de l'écriture pour créer des effets secondaires, mais très intéressants. Par exemple, ici, on a de nouveau une amphore avec deux guerriers qui avancent, ils ne sont pas en train de se battre, ils marchent ensemble, ils partent au combat, et la signature du potier, elle est entre les deux, Amasis et Poiesen. Cette signature, elle est poussée par le mec qui part à la guerre et qui va défoncer le mur d'écriture, si je peux dire. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a quelques... Alors, c'est peut-être moi qui délire, vous allez me dire, et c'est pas impossible. Mais il y a suffisamment d'exemples pour se dire que, oui, ils ont vraiment joué avec ça. Ils ont essayé de bricoler des trucs dont j'essaye de rendre compte peut-être de manière... Parce que c'est comme les blagues. Si on les explique, elles cessent d'être drôles, donc ça va être lourdingue, là. Mais dans les faits, quand on regarde, c'est ça qui se passe. Et on a beaucoup d'exemples, parce que les peintres de figures noires archaïques, là, on est vers 540,
ça, là on est un peu plus tôt dans le temps, ils ont adoré écrire. Il y a quelques peintres qui ont vraiment aimé ça et qui s'en sont servis de plein de façons. Alors ici encore un fragment qui vient de l'Acropole, donc une dédicace à Athéna, sur laquelle on a à la fois un char avec les chevaux qui sont nommés, ça c'est très homérique ça, et puis un Achille ici dont le nom est donné là, qui est en train de préparer. On lui apporte des armes, on a depuis un autre fragment avec une femme qui tient son bouclier, on est à Kos, Gravesend, et puis le début de Callipoliesen, donc une signature de peintre et potier. Tout ça, rythmant évidemment le départ. Donc, la valeur, je dirais presque architecturale de la ligne d'écriture, entre dans le dessin et renforce cette visibilité. Et c'est au point qu'il y a des vases où l'écriture à elle seule est le décor du vase. On a une série, c'est très localisé dans le temps, ça dure une trentaine d'années, c'est ce qu'on appelle des coupes des petits maîtres, donc des formes assez élégantes, assez fines comme ça. Et on a deux modèles de coupes, les unes qui sont complètement noires avec une bande figurée, et les autres comme celle-ci qu'on appelle des coupes à lèvres. Il y a parfois un petit décor, mais ici il n'y en a même pas. Et ce qui fait décor entre les deux anses et les deux palmettes, c'est une ligne qui se lie Clézon, Onéarchos et Polycéon. Clézon, fils de Nearchos, a fait. Onéarchos, c'est celui qu'on vient de voir, c'est lui. Donc là, on a le père et le fils au travail, c'est intéressant, mais c'est un autre problème. On n'en a pas beaucoup et c'est un peu difficile de savoir pourquoi les peintres signent. Parce qu'on a des vases absolument ignobles signés et franchement, c'est la honte. Et puis des choses tout à fait magnifiques qui n'ont pas de signature. Donc c'est compliqué, je n'entre pas dans cette discussion-là. Ce que je retiens, c'est que cette guirlande, hein, puisqu'on est à Noël, là, voilà, on a une chaîne de loupiottes, une chaîne de lettres qui fait décor. Et c'est à tel point, je ne le montre pas là, mais qu'on a des coupes de petits mètres avec des lettres qui ne donnent pas de nom, qui sont juste des points pour remplir le vide, comme chez l'opticien. Alors, des signatures, mais aussi des dédicaces, alors j'en prends une facile, même avec cette mauvaise lumière, vous arrivez à lire Smikros, Anéteke, Kabiroi, donc Anatitemi, Anéteke, c'est à consacrer, à offrir, au Kabir, les dieux Kabir, c'est, on est tombé aussi. Alors, je ne développe pas ça, il y a d'autres images qui marquent la propriété, d'autres inscriptions, pardon, qui marquent la propriété, et en général, elles sont incisées, c'est-à-dire c'est on achète un objet et puis on met sa marque dessus. Et ça, c'est très très tôt dans le temps, hein, on est à la seconde moitié du septième, là, et on a une inscription, Philonos Elmi, j'appartiens à Philo. Et ailleurs, en Sicile, on a cette inscription-là, Pantareos Elmi, j'appartiens à Pantares, et puis Kai, Ton, Philon, Koina Elmi, et je suis commun aux amis. Donc c'est un objet qui circule dans une espèce de club de buveurs. C'est rare qu'elles soient peintes, ces inscriptions-là, de propriété, mais elles sont très souvent incisées. Et puis on a des inscriptions qui parlent du vase en le mettant en contexte sur des modes différents. Ça, c'est une rareté, mais elle est très intéressante, c'est un vase qui est au Louvre. On arrive à lire en commençant là Onisté, me, kai, e, poleseis, donc achète-moi et tu feras un bon achat, une bonne affaire. Donc là, c'est le vase qui s'adresse au client dans la boutique. Et c'est le seul que je connaisse. Hein. En revanche, toujours sur nos coupes de petits mètres, la chaîne de lettres, là, elle dit « Kaire, kai, piei, tende »« Salut et bois cette coupe ». Donc elle s'adresse à l'utilisateur, pas dans le magasin, mais au banquier. « Vas-y, bois un coup, à ta santé ». Et il y a plein d'exemples comme ça. « Kaire su, kai, piei, ça, je vois bien. Il y en a une que j'aime bien, celle-ci. Hein, donc, même chose qui donne Kaire, Kai, Pie, Tende. Voilà, on voit cette coupe. C'est très fréquent. Enfin, dans la série de ces coupes de petits mètres, entre 550 et 520, c'est là qu'on a le plus de signatures de potiers, évidemment, parce que ça fait presque partie du genre. Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient davantage, ça veut dire que le support et le genre commandent ce type d'inscription. Et on trouve sur une image qui est assez célèbre, c'est une coupe qui est au British Museum avec une naissance d'Athéna d'un côté. Je vous montre le détail. Vous voyez Héphaïstos qui a ouvert le crâne d'Athéna et Athéna qui sort toute armée de la tête du dieu. Ça, c'est au registre supérieur, en haut.
Et puis au registre inférieur, sur la partie inscrite, Kyle, KPA, mais Nike. Salut et bois-moi. Nice, c'est l'affirmation insistante. Si je retourne la coupe, de l'autre côté, j'ai Zeus assis, Athéna qui prend Héraclès par la main et qui l'amène à son père pour que Héraclès devienne un dieu parmi les dieux de l'Olympe. Et l'inscription, alors c'est une catastrophe, on arrive pas, mais vous faites confiance, et c'est vérifiable, elle se lit Phrynos et Poiesen, donc c'est une signature de potier, mais ça se termine en Kairé même, salut. Hein, salut à toi. Et ce Kairé, il peut être lu comme s'adressant du vase au buveur, mais c'est aussi probablement ce qu'Athéna dit à Zeus en amenant, donc c'est une espèce de dialogue et d'échange entre les deux. Et puis, pour terminer sur ces inscriptions qui disent quelque chose du vase, j'en prends une qui est absolument exceptionnelle et qui va me servir à deux choses à la fois. Donc ça, c'est un petit vase corinthien, un vase à parfum, c'est gros comme une mandarine, c'est tout petit. Et vous voyez qu'il y a un gars qui joue de l'holos devant un personnage qui saute les bras en l'air, donc il n'est pas attaqué, on n'est pas en train d'attaquer la banque, il est en train de danser. Et quand on regarde le déroulé de ce vase, donc c'est pas comme ça qu'on le voit, mais c'est pour nous ça va être plus facile, on vient de voir à peu près cette partie-là, et ça se lit Polyterpon, donc on est dans l'alphabet corinthien, hein, donc pardon, Polyterpos, ça c'est un E, ça c'est un S, donc Polyterpos, c'est pas bon là, hein, c'est celui qui réjouit beaucoup, ce que veut dire le mot, à part de la musique. Et puis de l'autre côté, Pyrias, Prochoremenos, Otto, de Olpa. Olpé, c'est un nom de vase, et probablement le nom de cette forme, qui n'est pas du tout... Nous, les archéologues, on appelle Olpé un truc qui n'a rien à voir avec ça. Et on a tort, évidemment. Ce vase, il a été découvert par les Américains quand même dans les années 30. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Un, l'inscription nomme... le chef du chœur, le premier danseur, celui probablement qui est en train de sauter, vous voyez qu'après, ils sont deux par deux, on a une espèce de chœur de danse, et la musique. Donc la musique qui réjouit, et il a gagné. Prochoromenos, il est à la tête d'un chœur, et il gagne en prix cet objet. Mais plus intéressant encore, évidemment, c'est la trajectoire de l'inscription. Parce que comme vous le voyez, elle est sinueuse, et elle passe entre les danseurs. Et d'une certaine façon, votre œil bouge en lisant, comme les danseurs bougent probablement en cercle. Enfin, je ne peux pas reconstituer la danse et je ne vais même pas essayer. Et encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Ce qu'on voit, c'est qu'on a cet objet dans la main et on le fait tourner. Et c'est ça la danse. Donc il y a une espèce d'homologie entre les mouvements de l'œil et les opérations cognitives de lecture, anagnostem, qui est un processus, hein, ana. Progressivement, je mets tout ça bout à bout et ça donne du sens. Et visuellement, c'est cette espèce de mouvement de la danse qui est en jeu. Donc c'est ça qui m'intéresse. Cet exemple-là, il est unique. Je m'en suis servi 36 fois, évidemment, parce qu'il est très... Je crois qu'il est facile à comprendre, il est très éclairant. Il y a plein de problèmes après, hein, si vous regardez de près. Les lettres, le bas des lettres est ici. Mais ici, le bas des lettres, il est là. Comme ça, et puis là, ça change. À un moment, ça change, et ça change ici. Là, le bas des lettres, il est toujours là, et puis là, le bas des lettres, il est de l'autre côté. Le peintre, il a changé sa page de position. Bon. Il y a plein de petits problèmes, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, graphène, c'est pas juste écrire ou dessiner, c'est jouer un peu sur les deux tables. Alors, je voudrais maintenant regarder des inscriptions en rapport avec l'image, et les plus fréquentes, ce sont des inscriptions qui nomment les personnages. Et je commence là aussi très tôt dans le temps, hein, on est 620, fin 7e, on a ce vase qui est au Musée National, qui est une très grande amphore, sur le col, on a cette scène avec un centaure, et puis un barbu qui l'a pris par les cheveux et qui s'apprête à lui passer une épée à travers le corps. On est encore dans ce qu'on appelle le style orientalisant, donc des figures noires et des incisions, mais aussi plein de petits décors de palmettes, de chevrons, de zigzags. Enfin, il n'y a pas l'horreur du vide, rien n'est laissé blanc. Et les inscriptions,
ne sont que d'autres types de remplissage, puisque vous voyez, elles s'enchaînent avec les palmettes, et c'est encore plus net ici. Vous avez des lettres et des chevrons dans la même ligne. Elles nous donnent des noms, Nétos, pour Nessos, et puis Héraclès, et c'est une iconographie qu'on connaît bien. Il n'a pas sa peau de lion, on pourrait imaginer que ça peut être quelqu'un d'autre qu'Héraclès, mais en tout cas, on a eu tendance très longtemps à dire les inscriptions, ça sert à identifier les personnages. Et je vais essayer de vous montrer que c'est pas tout à fait, enfin que c'est plus compliqué que ça. Je ne dis pas que ça ne sert pas à ça. À nous, ça nous sert à ça. À nous, modernes, ça nous sert à ça. Et on est content qu'il y ait écrit Nétos, Héraclès, au moins les peinards, là, on ne sait quoi pas. Ce qui m'intéresse ici, comme vous le voyez, c'est que maintenant que l'inscription fait partie de l'image, elle colle au corps du personnage. Elle fait partie de son corps. On n'écrit jamais sur le personnage, on n'aurait pu. Les exemples sont rarissimes. Il y en a, mais ils sont vraiment rares. On colle le nom à côté, et en général, le nom, il part de la tête. Et si vous regardez le sens, ici, Nétos, ça part de sa tête, et ici, Héraclès, ça part d'Héraclès, et ça suit le personnage. Donc, une espèce de, peut-être pas d'homologie, mais d'écho entre la forme graphique du personnage et sa forme figurée. Les deux se complètent. Et il y a plein d'exemples pour ça. Je prends un vase corinthien qui me paraît intéressant parce que vous voyez bien là, on a, aux limites du cadre, il y a deux chars attelés qui attendent. Donc on a une grande frise, des chars, un duel et un cadavre au milieu. Alors on verra demain, vous comprendrez demain pourquoi ça m'intéresse, mais en gros, le mort, à peine il est mort, il n'a plus d'armes. Ce rapport corps et armes, il est là très clairement exprimé. Et en même temps, il n'y a que le mort qui a un nom. Et puisque ça se lit, enfin, ça, c'est en alphabet corinthien, ça se lit Hippolytos. Donc celui qui a délié les chevaux en plus. Peu importe. Donc je ne saurais pas vous dire qui sont ces deux guerriers. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être Hector. Ça... Hippolytos, on le connaît, mais ce n'est pas Hippolyte de Répide. Donc, c'est un personnage quand même. Et les inscriptions-là ne servent pas à nous traîner dans une histoire. L'inscription, elle est parallèle au corps, et elle joue, les autres sont armés, ils ont leur identité de guerrier, et lui, mort, il a son nom inscrit comme ça. Il y a d'autres exemples, ça c'est un extraordinaire vase chalcidien, donc Chalcis est une cité de B, avec des potiers qui émigrent vers l'Italie, la Grande Grèce, et c'est des choses qui sont sans doute fabriquées du côté de la région, exemple, dans le bas de l'Italie, par des peintres grecs, les grecs eubéens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même alphabet que les Attiques. Et, alors, ça ne se voit pas bien, mais vous avez des personnages endormis, allongés au sol, là, des armes accrochées aux armes. Ça, c'est une zone à part, hein, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Donc, des boucliers accrochés sur les poteaux, des armes déployées, un casque, un vitrier. Et puis, deux personnages debout éveillés qui sont en train de leur faire la peau. L'un ici qui est endormi s'appelle Rhésos. Le Rhésos, c'est un des chants de l'Iliade, la Dolonie, hein, où Ulysse et Diomède vont quitter le camp des Grecs, aller espionner les Troyens, et comme Rhésos est arrivé en renfort, ils vont s'emparer. Ulysse, dans l'Iliade, prend les chevaux, et alors que dans l'image, le personnage qui est là, c'est Diomède, qui égorge Rhésos, mais l'autre, ici, c'est Ulysse, Odysseus. On n'a pas ça dans l'Iliade. Hein. Mais voilà, donc là encore, prudence, il y a des variantes et les images, tout en renvoyant à des histoires que nous connaissons parce que nous avons Homère, soit brodent autrement, soit ont des versions différentes de l'Homère que nous avons. Et tout ça, là on est vers 550 à peu près, donc c'est relativement tard, l'Iliade elle commence à se stabiliser. Et j'ai plutôt l'impression que le peintre il prend des libertés, il fait ses trucs. Au passage, je ne sais pas s'il y a des linguistes dans la salle, mais je suis allé un peu vite. Si vous regardez de près, si vous arrivez à y voir quelque chose, ça c'est un R-E-S-O-S. Donc là, vous avez Rhésos. Mais là, vous avez une autre lettre qui est un digamma. Donc ce Rhésos, il est écrit ou Rhésos, ou Rhésos avec l'aspiration. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, juste je vous signale voilà, que les alphabets ils sont locaux. Que là, je vais un peu vite et on va pas détailler ça, mais il y a beaucoup de lettres, l'alpha, c'est le même partout.
Mais l'epsilon ici, il est à peu près partout le même, sauf ici où il a la forme de ce qui est pour nous un bêta. Et du coup, le bêta ici n'est pas pareil. Donc à Corinthe, Mégare et Sicyone, dans ces trois villes-là, on n'écrit pas tout à fait de la même façon. Et c'est la même chose, donc le digamma, il n'existe pas partout. Il prend la, ça a l'air d'un F, mais c'est une espèce de double gamma. Et ce double gamma, il y a des endroits, en EB et en B aussi, où il a la forme de ce qui sera un C pour. Donc ces lettres, elles sont instables. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que ça nous incite, pour le monde archaïque, à penser que la Grèce n'existe pas, que ce sont des cités, que ces cités sont différentes entre elles, que bien sûr elles parlent la même langue, mais pas vraiment. Donc on est un peu comme en Italie, entre les Lombards et les Romains et les Napolitains. Ils se comprennent, ils se lisent, mais ce n'est pas un monde totalement homogène. Alors je reviens à Milton. Ces inscriptions qui servent à nommer les personnages, elles sont évidemment précieuses pour nous, mais dans l'image, très souvent, ce n'est pas à ça qu'elles servent. Par exemple, ici, vous avez une scène qu'on reverra demain, d'armement. Vous avez un jeune homme qui est Gulnos, qui est sans armes, et puis on lui apporte un bouclier, une cuirasse, des fumis, du protège-tibia et un casque. Donc, toute la panoplie est là, et les petites dames, ce sont toutes des femmes, elles sont nommées, évidemment, c'est Achille et sa maman, Thétis. Et donc vous avez le nom d'Achille inscrit devant lui, et puis le nom de Thétis devant Thétis, et puis les Néréides, elles sont toutes filles de Néréide, avec leur nom. Mais le peintre, il a fait deux choses tout à fait intéressantes. La première, c'est qu'il inscrit le nom d'Achille à partir de sa tête et le nom de Thétis à partir de sa tête. Et donc les deux noms se croisent. Et l'échange, le fait qu'elle apporte un cadeau, des armes à son fils, est souligné par la circulation entre les deux noms. Et ensuite, les autres, celle-là, Cumatothéa, c'est un nom très classique, c'est celle qui est dans l'écume. Celle-là aussi, c'est pas loupé, quelque chose comme ça, mais celle-là, elle a un nom très intéressant, elle s'appelle Néoptolémée. En grec, Néoptolémée, c'est celle qui combat de nouveau. Il n'y a aucune Néréide dans Hésiode qui s'appelle comme ça. Néoptolémos, c'est le nom du fils d'Achille. Et évidemment, c'est un jeu du peintre qui bricole avec une onomastique qui se contente pas de nommer les personnages, mais de suggérer avec ses noms, comme les Grecs le font souvent, d'autres histoires, des développements. Alors, cette orientation des noms, elle produit des effets visuels dynamiques. C'est la même chose avec un grand classique de... Donc ça, c'est un vase qui est signé ici par le potier Exéchias et Poliessé, qui est encadré de l'autre côté par une inscription qui fait partie de ces acclamations que je signalais, donc Onétorides Kalos. C'est ni lui ni elle, c'est un personnage extérieur. Et ces deux images-là, ces deux choses-là, elles n'appartiennent pas à l'image en tant que contenu linguistique. En revanche, Achille s'appelle Achille, et la dame qui est là s'appelle Penthésilée. Et ce qui est intéressant, c'est que... On va s'agiter, hein. Comme vous le voyez, j'ai essayé, mais la lumière est mauvaise. J'ai souligné les noms. Achille et la lance de Penthésilée se croisent. Le nom d'Achille est réglé sur la lance horizontale de Penthésilée. Et puis, le nom de Penthésilée, il est dans le prolongement de la lance d'Achille. Donc visuellement, ces noms, ils produisent des trajectoires qui sont celles des armes. Et je pense que ce n'est pas du tout par hasard. Ce n'est pas tous les peintres qui font ça. Exéchias, c'est un peintre vraiment... intéressant parce qu'il est très attentif à tous ces détails graphiques et on en reparlera encore demain. Donc je pense que là, l'usage de l'écriture, c'est vraiment une avancée dans l'invention et dans le travail graphique qui est très remarquable. On a du même Exéchias, ce vase que vous avez sans doute vu parce qu'il est dans tous les bouquins d'histoire de l'art. Il est au Vatican, il vient de Vulch, il est pratiquement intact, on n'en a pas tellement qu'il soit dans cet état-là. La surface est un peu abîmée, mais on a deux figures qui jouent à un jeu de pion, un jeu stratégique, genre jeu de go, j'imagine. Et il y a une quantité considérable d'inscriptions sur ce vase. Alors, c'est un peu désespérant.
ils sont en train de dire des points. Lui dit Tessara Tria, donc il parle. Ensuite, ils sont nommés Achilleos Aiantos, au génitif, image d'Achille, image d'Ajax. Et puis, on a de nouveau, je pense que ça va se voir mieux, oui. Exekias et Poyesen, donc la signature du potier. Et il doit y avoir, sauf erreur, non, c'est tout. Donc, il parle, il y a leur nom ici. Et puis ici, on est Onetorides Kalos, le même personnage qui est nommé. Et donc, vous voyez bien que. On l'avait avec Achille et Panthès. Et donc c'est vraiment hors image. Voilà, Onetorides, pardon. Et ces kalos, enfin ces images, ces inscriptions, qui soit nomment le peintre le potier, soit renvoient un kalos, on les retrouve beaucoup plus tard. Exekias, c'est vers 540. Là, on est une génération après, le début des figures rouges. Sur ma photo à l'écran, on ne voit rien, je suis désolé, mais les inscriptions sont en rouge, elles sont là et là, Euphronios et Gravesen, Liabros Kalos, qui se lit dans ce sens-là, et ça, c'est un petit peu réglé sur la partie ornementale. Et puis sur l'image elle-même, on lit Thanatos, Hypnos, et on lit ici, mais c'est impossible à voir, je suis désolé, on lit ici le nom de Sarpedon. Près de son corps. Donc le nom fait partie librement. Je pense qu'on n'avait pas besoin de l'inscription Sarpedon pour comprendre qu'il s'agit de Sarpedon. Si vous avez l'Iliade en tête, il meurt en pied de Troie, il est enlevé en effet il est remporté en ici, c'est un fils de Zeus, hein, donc, c'est un personnage important. Et on a tout ce système d'inscription ici qui joue par rapport au personnage. Pas pour les nommer, mais pour les valoriser. Mettre en évidence que les dieux sont là, Hermès, Hypnos, Thanatos. Alors, cette orientation des noms, on la retrouve. Enfin, le vase actuel a été depuis récemment nettoyé et dérestauré. Il est en très très mauvais état sur ma photo. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer des lutteurs, hein, et puis un arbitre. L'arbitre, il se tient debout avec son bâton. Lui, il est penché en avant, il est en train de faire passer l'autre cul par-dessus tête. La tête est ici, ses pieds sont là, et la ligne de sol, du coup, elle est partie en l'air. Et on a une fausse ligne de sol ici pour récupérer une horizontale. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ça, on a... ça va aller mieux ici. Bon. Ça, c'est un dessin du même vase, avec un nom ici qui se lit Azopoclès. Et je pense que c'est le nom de ce lutteur-là plutôt que de l'arbitre. L'arbitre n'a pas de nom. Et puis l'autre est nommé. Et pour lire le nom de l'autre, il faut faire tourner le vase. Et là, vous pouvez lire Antimachos. Et Antimachos, c'est très intéressant parce que c'est celui qui se bat contre ou à la place d'eux. Donc il y a les vases, ce n'est pas des objets dans des vitrines. C'est un truc que vous avez à la main, comme un verre de bière, et puis vous pouvez bouger. Et donc, en le retournant, ça prend sens. Et en le retournant, vous faites ce que fait le lutteur, vous faites passer là par-dessus. Bon. Et je pense que là encore, c'est Onésimos. Alors, j'ai l'air de délirer, une fois de plus, mais il y a un autre exemple, et il y en a quelques autres. Ici, vous avez un satyre qui est en train de boire directement dans une amphore. Alors que normalement, on vide le vin dans un cratère, on mélange, on distribue. Donc, il a court-circuité tout le truc et il se tient très très mal. Même si par ailleurs, le dessin est joli. Et ce dessin, il est signé, j'espère que vous devinez laquelle lettre, là aussi, je les ai écrites autour. Là on lit Gravesen. Sen est ici, A, donc il y a un Y. Mais qui a dessiné? Pour le savoir, il faut retourner le vase de nouveau. Et alors, ici, vous avez le nom d'Épictétos. Donc là encore, il y a un jeu dynamique de manipulation du vase qui rend la lecture possible et qui en même temps donne à cette lecture un statut équivalent à ce qui se passe dans l'image. Je fous en l'air un lutteur, je me comporte, je fais les choses à l'envers et mon image, elle bouge avec l'écriture. Donc l'écriture, elle n'est pas juste informative, elle n'est pas que linguistique, elle est beaucoup plus que ça. Alors, je vous balade dans le temps, je suis désolé, mais pour avancer,
Je reviens sur un vase corinthien, tôt dans le VIe siècle, qui représente un char, un départ de char, avec des chevaux qui sont nommés, Cularos, Lucipos, et vous avez Lucipolis, vous avez les noms inscrits là-haut. Et puis il y a un détail devant les chevaux, il y a un énorme lézard, qui est nommé Ascabalos, qui veut dire lézard. Donc ça c'est du Magritte, hein. Ceci est un lézard, ceci n'est pas un lézard. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je le laisse en suspens, et puis on va essayer de répondre à ça, mais je vous donne un autre exemple. Pareil, je ne choisis pas l'état des vases qui m'intéressent. Donc ça, c'est un grand cratère qui est en 1000 morceaux, qui est présenté comme ça à New York, et qui représente, si vous avez de bons yeux, par où on va commencer. Le mieux, c'est là. Là, vous avez un âne avec Héphaïstos, et le retour d'Héphaïstos, donc une scène mythologique, Dionysos qui fait boire Héphaïstos, qui le ramène sur l'Olympe. Sous les anses, là, vous avez les grands cratères et les satyres qui versent du vin. Et la même chose de l'autre côté, ici, avec un grand cratère et les satyres qui remplissent du vin. Donc c'est la fête du vin. Et le personnage, là, qui montait sur un âne, eh ben, il s'appelle Héphaïstos, et l'âne, il s'appelle âne. Il n'y a pas besoin, hein, d'écrire ça. Alors, j'avance encore et puis je reviendrai en arrière. On a des textes d'époque un peu plus tardive, des liens, mais aussi déjà dans Aristote, qui disent autrefois, les peintres étaient si mauvais, la peinture était en bas âge, donnait des allusions, une représentation si fruste, que les peintres ajoutaient cette inscription, ceci est un bœuf, ceci est un cheval ou un arbre. Et Aristote reprend l'argument, hein, le truc n'est pas clair, la définition n'est pas bonne, c'est comme les peintres qui étaient obligés d'écrire à côté parce que le dessin n'était pas bon. Alors, on est sûrement bouché, mais on voit bien que c'est un âne, il n'y a pas de problème, et on voit bien que c'est un lézard, et il n'y a pas de problème. Et donc si ces animaux sont nommés sous leur forme générique, c'est qu'ils ont une importance dans l'iconographie. Le lézard, c'est un animal que vous pouvez couper et qui va se recoller, que les blessures n'affectent pas. En tout cas, c'est ce que Hélien pense et dit. Et je ne sais pas si vous avez coupé la queue des lézards quand vous étiez petit, mais depuis qu'on est végétarien, ça ne se fait plus, alors je n'insiste pas. Mais il a mythologiquement, dans l'imaginaire grec, cette propriété. Le lézard, s'il prend des coups, et donc je pense que c'est pour ça qu'il est là dans un certain nombre de scènes de départ de guerriers. Ça peut se discuter. Hein. En tout cas, je pense qu'il n'est pas là pour faire joli. Il y a un sens. Peut-être que le sens que je propose et pas le bon et que ça nous échappe. Sur l'âne, je suis un peu plus tranquille, parce que ce qui en effet caractérise le retour d'Héphaïstos, c'est que ce n'est pas un aristocrate cavalier sur un cheval, c'est le dieu forgeron mal fichu qui revient avec un animal un peu grotesque, qui est très dionysiaque, qui est dans l'état où vous le voyez, d'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas vu, il y a un satyre qui vient en rajouter une couche pour que toute cette obscénité soit claire, il n'est pas peint. Et d'ailleurs, ce phénomène, on le rencontre aussi à propos d'un certain nombre d'objets, et uniquement dans la peinture archaïque à figure noire. Ensuite, ça disparaît. Mais je vous donne quelques exemples, j'ai essayé de faire un inventaire de ça ailleurs. On a par exemple sur le vase François, donc 570 à peu près, c'est un objet extrêmement complexe, et je ne vais pas le détailler parce qu'il faudrait 2 heures, mais la semaine. Mais dans cette hiérarchie, donc, il y a une chasse au sanglier de Calydon, il y a des jeux en l'honneur de Patrocle, il y a les noces de Thétis et Pélée, il y a Achille qui est ici poursuivant Troïlos et Polyxène, une frise ornementale et des pibes. Je vais commencer par cette scène-là. Dans cette scène-là, donc, l'histoire d'Achille et Troïlos, je ne sais pas si elle vous est familière, Troïlos c'est un des fils de Priam, un des plus jeunes, c'est un adolescent. Et il y a un oracle qui dit que les Grecs ne pourront pas prendre Troie tant que Troïlos sera vivant. Il y a une énorme iconographie de ça, on n'a pas beaucoup de textes, donc on est un peu perdu. Les Étrusques ont adoré extrêmement violent, puisque ça se fait, Achille ne se bat pas comme un héros face à une guerrière armée, il va se mettre en embuscade, et il va empoigner, ce Troïlos, et il va le sacrifier sur l'autel d'Apollon. C'est vraiment un truc d'hubris et de violence énorme. Et pour faire ça, il se met en embuscade à la fontaine. Il attend le moment où Troïlos va y faire boire les chevaux.
et où sa sœur Polyxène vient remplir ses idées à la fontaine. Donc, cette histoire, elle se passe à la fontaine. Et sur le vase François, il y a une fontaine qui s'appelle Fontaine. Pas parce que vous êtes débile et que vous ne savez pas reconnaître une fontaine quand il y a des gargouilles et d'autres, parce que Fontaine, dans cette histoire, c'est un personnage. C'est un moment narratif important. C'est quelque chose sur lequel le peintre focalise. Et donc, il l'appelle Fontaine. Et Troïlos qui part avec ses chevaux, Polyxène, elle a laissé tomber le vase, et le vase, il s'appelle Hydria. Là encore, il n'y avait pas besoin. En revanche, il y avait besoin d'accrocher l'œil du spectateur pour qu'il se dise « Ah oui, mais là, le vase renversé, au fond, c'est la métaphore de Polyxène qui va se faire désinguer. » Alors, pas tout de suite, hein, elle va échapper, mais à la fin, hors Iliade, quand Achille est mort, c'est elle qu'on sacrifie sur la tombe d'Achille. C'est une longue histoire et toutes ces choses sont implicites dans cette représentation. Ils partent en courant, Troïlos et Polyxène, vers les remparts de Troie, qui sont figurés sur le vase François. Vous avez la muraille de Troie, et sur la suite, la porte s'ouvre, il y a les guerriers qui sortent pour venir à leur secours, mais devant Troie, il y a Priam qui est assis. Et il est assis sur un siège qui s'appelle Siège. Alors ça, j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques Zeus qui est assis sur un trône qui s'appelle Trône, on voit bien pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'on a écrit Siège sur le bloc? Parce qu'il y a une confusion possible. Il y a une iconographie archaïque de la mort de Priam. Et Priam, quand il est massacré non pas par Achille, mais par le fils d'Achille, il est assis sur un autel. Et sur le vase François, il y a un autel, à l'étage au-dessus, dans la scène où tous les dieux arrivent et viennent rencontrer Pélée, elle se fait devant un autel. Et c'est très intéressant. Vous avez ici Pélée, dont le nom est inscrit à la verticale. Vous avez Chiron, le centaure, qui a aidé Pélée à capturer Thétis. Il y a les deux mains qui se joignent, et c'est vraiment un contrat entre les deux, qui donne un axe à la signature du peintre. Donc la signature du peintre, elle n'a rien à voir avec le vase, mais en même temps, elle est placée à la clé de toute cette histoire. Et l'autel, avec un mauvais état, mais l'autel, il s'appelle Autel, Homos. Et je crois que sur le vase François, le peintre, il fait ça parce que les murs de Troie, le Tacos, il est là, et le Domos, il est là. Et en écrivant, évidemment, il désambiguise ou il joue sur l'analogie et sur les possibilités de cet effet d'écho. Je crois que, enfin, sur le vase François, les inscriptions sont extrêmement précises, elles sont graphiquement très belles, et elles sont tout à fait intéressantes. Alors, voilà, Domos et Tacos. Alors, un autre Bomos qui est marqué Bomos, c'est celui-là, mais si vous avez de bons yeux et que vous arrivez à lire, vous voyez qu'on a un duel entre Hector et Achille, que derrière l'autel, il y a Troïlos qui est mort, mort à l'autel. Et il ne suffit pas de le tuer, il faut le tuer à l'autel d'Apollon. Et la tête de Troïlos, elle est là. Donc ce truc est fou, hein, vraiment. Et les inscriptions, on rajoute une petite couche, hein, au cas où vous n'auriez pas fait attention, au cas où vous auriez pris ça pour un omphalos ou pour un tombeau, non, ceci est un bomos, parce qu'il a une valeur narrative dans cette affaire. Alors, les objets sont inscrits par les peintres pour accrocher l'œil, parce que, voilà, pas parce qu'on ne les identifie pas, mais parce qu'ils ont une importance réelle. Et je voudrais terminer avec un autre objet sur ce volet-là. C'est l'histoire du collier d'Eriphile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, on va revenir dans le film. Les sept contre Thèbes, vous vous rappelez, à Thèbes, après à la mort d'Édipe et le fait qu'Édipe quitte la ville, les deux frères ennemis se disputent la royauté à Thèbes. Et Éthéocle et Polynices entrent en guerre civile. Donc il y en a un qui prend le pouvoir et puis qui ne cède pas à son frère ensuite. Donc son frère, Polynices, va organiser un commando en allant recruter tous les chefs du Péloponnèse, entre autres, de l'Argolide, les rassembler, il en rassemble sept, dont lui évidemment, pour partir contre Thèbes. Ça c'est une chose qu'on connaît bien par la pièce d'Échille. Dans les sept contre Thèbes, on a ça. On a d'autres récits qui nous rappellent que dans les sept, il y en a un qui s'appelle Amphiaraos. Amphiaraos, c'est un devin. Aussi un guerrier, mais il a cette capacité de voir l'avenir, et il sait très bien que ça va mal se finir, et il ne veut pas y aller.
dit il ne faut pas le faire, il ne faut pas y aller. Donc quand Polynice vient le voir en disant on part à la guerre, il dit non, je ne vais pas. Et il se souvient, Polynice, que quand Amphiaraos s'est marié avec Eriphine, qui a un lien de parenté qui m'échappe, il n'y a rien de parenté entre Polynice et Eriphine, elle a promis, elle a fait promettre à Amphiaraos qu'il ferait ce qu'elle voulait, qu'elle lui demanderait le jour venu. C'est comme dans les contes de fées, elle fait un chèque en blanc. Donc Amphiaraos, il a fait un chèque en blanc à sa femme, en disant « tu me demandes un truc, je ferai ». Et Polynice le sait, donc il va voir la femme, il lui fait un cadeau, et comme ça, elle va dire à son mari, vas-y. Et le cadeau, c'est un collier, que vous voyez ici, sorti de sa boîte, hein, il y a les noms sont inscrits, Polynice, et les filles, et la main tendue, elle prend, le schéma est très très clair. Donc voilà, l'histoire du collier, c'est ça. Sur les images archaïques, on en a une qui est corinthienne, vous avez, c'est le dessin déroulé, hein, c'est pareil, c'est pas un objet qu'on voit comme ça, avec un char, le départ, Amphiaraos qui monte, son nom est inscrit, son fils avec Méon, et puis les femmes qui disent adieu, et la dame là, qui tient, ça c'est pas une chaîne de vélo, hein, c'est un énorme collier au cas où vous auriez oublié la clé de l'histoire, et son nom qui est inscrit là, donc il y a tout, j'ai entouré les inscriptions, donc Eriphile, Amphiaraos, etc. Et il y a un devin là-bas qui se lamente. Alors, jusque-là, tout va bien. Il y a quelques lézards au passage. Donc, je vous signale, les Corinthiens aiment bien. Et puis, on a ce vase qui est en très mauvais état, mais qui est extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est un vase attique qui représente un départ de char. À y regarder de près, on a Renaud Amphiaraos ici, Baton qui est l'orige qui conduit le char. On a Eriphile, la femme, qui se tient devant le char avec quelque chose qu'on peut considérer comme le collier, et puis un homme assis à terre qui se lamente. Et le détail intéressant, c'est que ici, le collier s'appelle collier. Donc là encore, l'objet est nommé parce qu'il a une importance essentielle dans l'histoire, c'est la clé du truc. Et donc, du coup, le peintre, c'est pas obligatoire, mais ça a du sens, et inscrire ces mots dans ces histoires, c'est parce que ces mots ont une valeur, cette ornance-là, ce collier-là, que Polyphile donne à Eriphile, c'est un collier qui a une longue histoire. C'est le collier de Cadmos et Harmonie, un cadeau de mariage, et il va continuer, ensuite il sera récupéré, il circule. Et si ces questions vous intéressent, vous trouvez ça dans l'article de Gernet sur la notion mythique de la valeur. Gernet rassemble toute une série d'objets, le sème de la gamme, le bouclier, des choses comme ça. Des objets qui ont une histoire et puis qui s'accumulent. Les biographies d'objets, aujourd'hui, c'est très à la mode. Hein. Gernet avait vu ça il y a longtemps et l'avait placé sur un mode un peu différent, dans une aristocratie du don et de l'échange, qui crée des généalogies et qui donne à ces objets-là une valeur primordiale. Et c'est la raison pour laquelle je crois, Hormos est nommé ici. Alors, voilà, les inscriptions qui ont à voir avec l'image, nommer les personnages, parfois nommer les choses, puis surtout faire parler les images. Alors, on a déjà vu Ajax et Achille qui disent Tria, Tessara, donc qui prononcent les choses. On a beaucoup d'images qui représentent le chant au banquet, puisque beaucoup de ces vases, évidemment, sont utilisés au banquet. Par exemple, celui-là, qui est en mauvais état, mais qui est un grand cratère de Phrodios, destiné à mélanger le vin et l'eau avec un peu réflexive, le cratère est au milieu des bancteurs, et sur le cratère, il y a l'image des bancteurs, avec une femme qui joue de l'olos, des personnages en train de boire, et si on regarde de près par là, on s'aperçoit, vous n'avez pas, si vous devinez qu'il y a des lettres, hein, j'espère, et alors, les unes donnent le nom de la dame, Succo, qui est la figue, et la figue, ça a une connotation sexuelle claire, donc c'est pas un nom... pas. Le gars ici, avec ce geste, s'appelle Ekphantides, il a la bouche ouverte, et devant sa bouche, il propulse un vers qui se lit au Apollon, Cete, Kaimakai, qui se lit de droite à gauche, et qui est une adresse à Apollon, toi, et la bienheureuse, probablement Artemis, quelque chose comme ça. Même chose sur cette image-ci, où la bouche est ouverte, et où le bancteur, en train de chanter « O Paidon Caliste »,
Donc c'est un super païskalos, un caliste, un vocatif, le plus beau des jeunes gens. C'est, vous me direz, il n'est pas au banquier, je maintiens qu'il est au banquier, il a des crotales à la main, donc des instruments ici. Il a un panier qui est son panier de pique-nique, donc il est en train de chatouiller un lièvre, et ce lièvre, c'est la métaphore du petit jeune homme qu'il désire. Alors ça peut paraître étrange, mais si vous regardez un peu toutes les iconographies des rôtis grecs, vous trouverez ça. On offre des lièvres aux jeunes gens, au lieu d'offrir des chocolats ou des fleurs. Et on offre un lièvre parce qu'il est sexuellement prolifique et que ça va dans cette direction. Donc cette image est obscène. Même si ça ne vous choque pas, tant mieux, mais c'est une obscénité. C'est de la pédophilie, pas autre chose. Alors là, c'est plus subtil. On a un banqueur qui tient un vase à boire, qui tient un rameau. On a des textes qui nous décrivent ça, des chants qui circulent d'un lit à l'autre, d'un buveur à l'autre. On se passe le rameau et on enchaîne une chanson. Alors, celle-là est banale, parce que filet, caille, c'est pas très métaphysique. Hein, donc, elle, et puis, c'est un chant amoureux, c'est un typique de la poésie banquée. Mais, et c'était pas obligé de le faire, hein, le peintre a inscrit ça pour ajouter une dynamique, puisque ça va de la voix au geste, et ce médaillon n'est qu'une métonymie de l'ensemble. On ne voit pas tout seul, on est une douzaine en général, pièce comme ça, il y a des autour, et ça passe. Parce que ce sur quoi l'image zoom, focalise, c'est sur un élément d'un ensemble, et cet élément, il est en train de faire passer par la voix, par le geste de la neuve. D'autres images sont plus sur la récitation épique ou rhapsodique, donc on a cette image-là, un personnage qui est sur une tribune, sur un béma, sur une espèce d'estrade. La photo ne montre pas ce qu'il fait, mais le dessin montre bien. Il a la bouche ouverte et on lit devant sa bouche « au dépoté impure ». Mon dessin est coupé, mais ça continue jusqu'à Turinti. Un jour, à Tirinthe, près d'Issène, une ville de temps ancien, vous voyez que sur l'estrade, il y a écrit « Kalos, hey, tu es beau ». À qui ça s'adresse? À lui, à nous, le buveur, spectateur? C'est ouvert et c'est complètement flexible. Et on peut l'activer comme on veut ou pas du tout. On n'est pas obligé de lire tout ça. Et si je reviens en arrière, c'est pour vous montrer que sur la photo, en figure rouge, les inscriptions, vous ne les voyez pas. Ce par quoi j'ai commencé, elles se voient bien sur le fond rouge, parce que là, les lettres sont noires et on est comme chez l'oculiste, là, on voit bien ce qui est écrit. Mais sur le fond, il faut vraiment mettre le nez dessus. Et on a parfois de bonnes surprises. Par exemple, ici, c'est une coupe très fragmentaire, malheureusement, mais je n'ai pas d'exemple autre que celui-là, d'un jeune homme en train de marcher qui a la bouche ouverte. Et comme vous le voyez, il tient une coupe et une lyre, donc il a une main qui tient la coupe et l'autre main qui tient. Il n'est pas en train de jouer. Il est en route, ou il sort du banquet et il est en train de tenir ces objets-là. Le dessin montre l'inscription. Il a la bouche ouverte et les lettres, elles sortent vraiment de sa bouche. Alors, pour le coup, ici, il faut lire de la fin. Eimi. Eimi en grec, c'est soit le verbe être, soit le verbe marcher, aller. Je pense plutôt ici, je marche, j'avance. Ko zone, ko ma zone, en faisant le konos, upo, sous l'effet de ao. Ao, c'est le début de aolos, de aoletris. Le mot est en work in progress, hein, il est en train de. Et on a cet effet dynamique qui est très intéressant. Et puis derrière lui, il y a Opaïs Kalos, l'inscription d'une grande banalité. Alors, cette insertion de la parole dans l'image, elle prend aussi une autre dimension quand ce sont des textes qui sont intégrés à l'image. Et il y a un grand classique que vous connaissez parce qu'il est dans tous les livres. Il est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on voit? Cinq personnages, sauf erreur, trois barbus, deux jeunes gens, et c'est souvent décrit, et on a raison, scène d'apprentissage, scène d'école. Vous avez un pédagogue, et puis deux profs, un qui enseigne à lire, et l'autre qui fait lire ou réciter un texte. Simplement, comme vous le voyez, le texte, c'est pas du tout réaliste, hein, la manière dont le rouleau est représenté. Si je tenais un rouleau, les lignes seraient orientées vers le lecteur, alors qu'ici, elles sont orientées d'un quart de tour vers
vous le spectateur. Donc, ça ne reproduit pas ce qu'on voit. Ça vous donne à voir ce qu'ils sont en train de dire. Et le texte se lit. Ça se discute, on peut s'y côté, mais en gros, Moïse Amoé, un fils camerounais, Euro, Narcoma et Aïden, bus pour moi, prix du scamandre, Euro, une qui coule bien, je commence à chanter. Le scamandre, c'est le fleuve de Troie. Donc c'est vraiment quelque chose autour de l'époque. Jusque-là, tout va bien, et c'est comme ça qu'on le commande. Il y a un détail sur lequel j'insiste, c'est que dans les objets qui sont en l'air entre les personnages, dans l'ordre, vous avez une coupe, une lyre, un panier, un étui à flûte, une lyre et une coupe. Alors, la lyre, l'étui à flûte et le panier, c'est des objets qu'on peut s'attendre à voir à l'école. Les deux coupes à voir, non, puisque c'est au banquet qu'on voit. Et donc, ces deux objets-là renvoient à autre chose. Ils renvoient à l'usage de ce qu'on est en train de regarder, qui est une coupe et qui est au banquet. Donc, les buveurs au banquet, ils ont appris à l'école, ils connaissent cette poésie lyrique ou épique, ils sont capables de la réciter, et l'école, ça sert à ça. Et dans l'image, le peintre fait une espèce d'anticipation, de prolepse, en inscrivant le but, c'est cette capacité à être un buveur cultivé et capable de réciter les choses. Donc là, l'écriture, elle a vraiment un sens très différent, et on est presque dans la description des objets matériels eux-mêmes. Il y a un autre exemple que j'aime bien, qui est celui-ci. Donc le reste, je ne sais pas, mais en gros, c'est le médaillon du prof. Vous avez probablement un prof du bout et un jeune homme qui tient un rouleau, même effet. Le texte n'est pas orienté comme il devrait l'être sur un rouleau. Et il se lit Oi, am, Héraclée, Ioléo. Le pluriel de l'article, ce avec Héraclès, donc liste des compagnons d'Héraclès, et ça commence par Iolaos. C'est dommage qu'on n'ait pas la suite, parce que ça, vous savez, mais. Donc là, il est en train d'apprendre, il est dans son dictionnaire de mythologie, là, il a son grimoire, son, je ne sais pas ce que vous voudrez, et il apprend ça. Alors, bon, c'est un autre problème, mais ce qui est intéressant, c'est que cette question des noms qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que les noms inscrits, ça sert à identifier les personnages? Je ne crois pas, parce que je crois que ces noms, ils sont connus d'avance, ils font partie de la culture et de la mémoire des buveurs, des gens éduqués, et qu'ils les connaissent, ces histoires, mieux que nous. Nous, on est un peu démunis et on ne peut reconnaître nos histoires qu'avec la bibliothèque dont nous disposons aujourd'hui. Si je veux comprendre Éthéocle, Polynice, le collier d'Érichive, je dois aller chercher avec ce que j'ai. Donc, moi, j'ai Échille, j'ai quelques textes, ça va. Quand j'ai. Tout à l'heure, on a vu ça, personne n'a protesté parce que vous êtes poli. Mais cette chose-là, Ajax et Achille qui jouent, à quoi ils jouent? J'en sais rien. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je n'ai pas de texte. Et on n'en sait rien. Point. Or, on a plus de 150 vases qui représentent ce moment-là. Et c'est toujours Ajax et Achille, ce n'est pas autre chose. Donc, il y a une histoire qui est perdue pour nous. On peut essayer d'en inventer une si ça vous fait plaisir, mais je ne vais pas faire ça. Voilà, ça veut dire qu'il y a une mémoire culturelle qui est effectivement en partie perdue pour nous. Et je ne crois pas que les inscriptions servent à la remplacer, puisque même Ajax et Achille, si on ne connaît pas l'histoire, maintenant. Alors, je pense que c'est une sensation que vous avez quand je commence à montrer des histoires que vous ne connaissez pas, ben vous êtes perdus. Ça ne fait pas vous des idiots, ça fait vous des gens perdus, démunis. Et nos munitions, c'est la bibliothèque le Thésaurus, voilà, on a, et puis c'est un corpus qui est fermé, jusqu'à ce que quelques papyrus réapparaissent. Nous donne une pièce comme ça. Mais autrement, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Mais ce qu'on a, c'est pas ce qu'avaient les Grecs. Donc, ils jouent beaucoup plus. Alors, j'ai une dernière section, mais je vois qu'on est bien dans le temps, ça. Protester, aussi. C'est sur la place des mots. On a vu tous ces effets, donc, l'orientation des chaînes de lettres qui produit des vecteurs, des flèches à l'intérieur du texte. Mais à partir du moment où on passe des figures noires aux figures rouges, les peintres s'aperçoivent ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que sur le fond noir, on peut écrire, mais ça ne rend pas bien, alors que sur le fond rouge, sur des objets, sur des surfaces un peu claires, on peut y aller, et ils ont joué avec ça. Par exemple, ici, vous avez encore une scène d'un personnage qui est en train de lire, il ne nous a pas lu le texte, mais il est devant son
coffre, il y a probablement quelque chose dedans. Sur le coffre, il y a écrit Calais. Et puis, posé dessus, il y a un truc que le dessin rend mieux. Là, il y a écrit Chironeia. Chironeia, Calais. Et puis, Panaitios, Kalos. Et donc, Chironeia, c'est les histoires de Chiron, la sagesse de Chiron. Enfin, on peut discuter, mais ça a à voir avec Chiron. De même qu'il y a une Odysseia, il y a une Chironeia, une Patrocléia, que nous n'avons pas, mais on a l'inscription. Donc il est en train de dire quelque chose qui a à voir avec Chiron, avec ces histoires mythologiques dont on a parlé tout à l'heure, les noces de Tétis et Pélée, vous rappelez. Autrement dit, ces mots-là sur les objets, ils qualifient ou ils utilisent, ils inscrivent Calais, évidemment, c'est de la beauté au sens de la perfection poétique. On a cette image-ci, où vous avez un athlète, il y a une éponge, qui est en train de, il y a le parfum, il y a ses sandales, il est sans doute en train de se nettoyer après ses exercices, devant un bassin de bronze sur lequel il y a écrit Kalos. Alors qu'est-ce qu'est Kalos? Est-ce que c'est le jeune homme qui est beau? Est-ce que c'est l'objet lui-même qui est beau? Est-ce que c'est nous à qui on s'adresse comme ça? Je pense qu'il joue sur tous ces tableaux à la fois. Et le nom du peintre est intéressant, des images, je vais vous en montrer deux ou trois. Celui qu'on vient de voir, celui-là. Ça ne se voit pas sur ma photo, mais lui, qui nous regarde de face, il est en train de dire Erketari. L'inscription Erketari, elle est là. Je ne sais pas si vous avez le bon Dieu. C'est celui-là. Donc à partir de sa tête, et c'est lui qui dit il arrive. Alors qui? Probablement un partenaire amoureux ou un partenaire de la compétition. En tout cas, cette image-là ne se suffit pas elle-même. Elle implique du hors-champ. Que l'inscription active. Et ce hors-champ, il est aussi activé par la frontalité du visage. C'est le premier personnage de face qu'on voit depuis une heure et demie que je parle. Parce qu'il n'y a pas de personnage de face dans les images de base, sauf nécessité de ce genre, c'est-à-dire d'adresse, ou dans la mort, ou dans l'ivresse, ou dans la folie, enfin, une sortie de soi. Ça a été écrit par Françoise Montizy, et je pense qu'elle a raison là-dessus. Il sort de lui, ou plutôt il attend quelque chose qui vient, et il s'est construit comme ça. Du même peintre, on a cette image, j'ai mis deux photos différentes, j'espérais que la différence allait vous frapper, mais c'est peut-être pas évident. Ce qu'on voit, c'est une jeune fille à sa toilette, devant le même bassin, cette fois il y a écrit Calais au féminin sur le seau en bronze, et dans le champ d'image, il y a aussi des inscriptions. Sur la photo la plus contrastée, on ne voit rien. On ne les voit pas, ces inscriptions. Sur celle-là, qui a une lumière un peu plus rasante, peut-être que vous arrivez à lire la Calais, et puis là, Epaïs, donc la version féminine de cette inscription. Autrement dit, il y a des niveaux de perception qui sont différents en figure rouge pour des inscriptions écrites sur fond noir ou sur le fond rouge des objets. Alors, je continue encore un peu avec Kalos, mais vous allez voir que ça. Poser des questions, encore un satyre, bon, on n'en sort pas, alors bien obsèque, je ne détaille pas, il est très excité, et il est assis sur une espèce d'amphore sur laquelle on lit très facilement Kalos. Et dans le champ de l'image, il y a plein de lettres qui normalement se verraient si on avait l'éclairage qu'il faut, et qui en tout cas se voient sur ce dessin. Parce qu'ici, sur ce dessin, toutes les inscriptions sont au même niveau. Mais ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, il y en a qui crèvent les yeux et d'autres qu'il faut aller chercher. Donc là encore, il y a une espèce de dynamique du rapport entre le spectateur, l'utilisateur et puis ce qu'il a sous les yeux, qui est modulable. Et encore une fois, on peut même se contenter de boire un coup sans regarder ce qu'il y a dedans. Quand vous mangez la soupe dans la vaisselle de votre grand-mère, il y a des femmes de la fontaine, mais on n'est pas autre chose, et on n'est pas obligé d'y regarder. Donc c'est optionnel. Mais si on commence à regarder la logique, c'est très intéressant parce qu'on a un Kalos générique qui contraste évidemment avec la laideur et l'obscénité du personnage. Et puis à partir de sa tête, du côté droit, on lit Athénodotos Kalos, donc il y a un personnage visé. Et puis de l'autre côté, à partir de son crâne, Léagros Kalos, le même Léagros qu'on a vu sur le vase de Phronios avec Sarpedon. Donc, il y a à la fois du Kalos spécifique sur le mode mineur et puis du Kalos générique sur le mode majeur et ça module comme ça.
Même chose ici. Et là, ça devient plus intéressant. Enfin, ça devient... C'est moi qui les classe dans cet ordre. Donc, ce sont mes manipulations. Et ces manipulations, j'essaie de les organiser de manière un peu cohérente et démonstrative. Donc, à partir du moment où les peintres à figures rouges se disent, en écrivant sur du rouge, sur un fond rouge, mes lettres vont apparaître, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a, dans la culture athénienne, beaucoup de pierres inscrites. Monuments épigraphiques de toutes sortes. Alors, ici, vous avez un gaillard qui s'apprête à jouer de l'holos dans une espèce de concert et à monter sur l'estrade. Et l'estrade, alors, là, il y a une inscription, Mélas Kalos, qui n'est pas le nom du personnage, qui est une adresse à quelqu'un d'extérieur. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà en figure noire, où on a sur l'acropole, ça c'est le col d'un vase probablement genre d'outrefort, donc d'un objet très étroit, avec une Athéna devant l'hôtel d'Athéna, Athénaïas au génitif. Et si on le déroule, c'est comme ça qu'elle est dans tous les bouquins, parce que c'est plus facile, mais c'est pas comme ça qu'on la voit. Vous avez une procession sacrificielle, une libation, l'hôtel allumé, la statue de la déesse et son nom inscrit. Donc elle est présente sous au moins trois formes, la statue, l'inscription et la prière. Ça, c'est très intéressant d'écrire sur un hôtel. Et on a dans les images antiques, par exemple ici, pareil, mais peut-être vous le connaissez, c'est une coupe toujours du même Onésimos qu'on a vu, là, l'Erketa et la jeune fille. Il fait une scène d'Iloupersis, donc le massacre, la chute de Troie. Alors, on va commencer par l'écrire un peu parce que c'est compliqué. Là, il y a un hôtel. Sur cet hôtel est assis un vieillard à la barbe blanche, vous avez là la tête, le corps, hein, et les jambes sont par là. Ce vieillard, il est menacé par un guerrier, ici, qui tient un grand bouclier rond, qui est debout comme ça, et qui utilise comme arme un enfant. Ça nous ramène à Troïlos tout à l'heure. C'est le fils d'Achille, c'est Néoptolème, et son nom est inscrit ici. Et puis là, c'est Polyxène, celle qui n'est pas morte à la fontaine, ça, c'est la main finie. Et il est en train de massacrer le vieillard. Sur le bouclier, vous avez un lion qui dévore une biche, qui est la métaphore du guerrier qui s'en prend aux vieillards et aux enfants et aux filles. C'est quelque chose d'extrêmement violent, de très dense, d'extrêmement bien construit. Et sur l'autel ici, il y a écrit Hercule. Zeus Herkios, c'est le Zeus du foyer. Ce que vous avez sous les yeux, c'est tout l'oïkos, le père, la fille, le petit-fils. C'est même pas la cité, c'est vraiment l'oïkos. Et la guerre de Troie, elle est pensée comme un oïkos. Et en tout cas, c'est ce que dit cette inscription. Priam s'assied en suppliant sur l'autel. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il était sur un tacos, parce qu'il pourrait être là-dessus. Et donc là, l'inscription, qui est unique, hein, il n'y a pas d'autre inscription comme ça, elle dit bien le rapport à Zeus, à la violence, à l'hubris de Néoptolème qui se comporte en répétant la violence d'Achille. Enfin, c'est une inscription qui est une clé extrêmement importante. Alors, sur des choses un peu plus cool, sur un hôtel, on a Kalos, là, tout va bien. On fait sa libation, les choses se passent correctement. Et puis on a des images qui font écho au monument public de la cité d'Athènes. De nouveau, le vase il est cassé, mais je n'en ai pas d'autre à vous proposer. Vous avez 3 degrés. Et puis, les pieds d'un trépied dont vous avez là, ici, un monument chorégique, une offrande, une photo, avec ici une figure féminine qui a des ailes. Donc, c'est vraiment la victoire. Et c'est la victoire dans un concours. Et d'ailleurs, il y a écrit Acamantis, Enika, Philée. La tribu Acamantis a gagné. Donc, on n'a pas d'inscription comme ça dans les inscriptions chorégiques, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça résume bien. Et surtout, ce qu'on n'a pas dans les inscriptions chorégiques, c'est ça. Dans le deuxième registre, Glaucon Kalos. Et Glaucon est un beau mec. C'est James Dean, voilà. Il faut parler. Donc, visuellement, on a l'impression que c'est une inscription sur ces deux registres. Linguistiquement, ça dit deux choses très différentes. Et ça renvoie, d'un côté, à la réalité des inscriptions chorégiques et des victoires. Et puis, de l'autre côté, à ce que les vases font au banquet, c'est-à-dire célébrer les beaux jeunes gens. Il y en a une autre, je n'en connais pas beaucoup. Hein. Donc,
celle-là est intéressante parce que là, on a le monument complet. On a deux victoires qui vont décorer le trépied. Donc, on est content. Et puis, il y a une inscription qui, elle, vraiment, il est un peu bourré, le peintre. En tout cas, elle n'est pas facile. Je l'ai transcrite là, sur Delta Gamma Eta Hevelos. C'est pas facile. Ensuite, Aririlos Tos Philos. Il n'y a que Philos qui fait sens. Et on propose de traduire peut-être un tel Egemelos, quelque chose comme ça. Et après, Aristos Philos, le meilleur des amis. C'est pas évident. En tout cas, si c'est ça, c'est pas le contenu d'une inscription officielle, publique, proclamant la victoire de tel ou tel tribu ou de telle ou telle personne. Donc là encore, il joue sur l'homologie visuelle entre s'il y avait une inscription, voilà comment ça serait, et puis moi, je choisis dans le contexte du banquet d'y mettre autre chose. Alors, plus simple, avec des structures plus faciles, donc là, vous avez une colonne, et puis, je suis pas sûr qu'il y ait Kalos. S'il y a écrit Kalos, je le dis en comme ça. Il n'y a pas Kalos. C'est tout. Donc, il y a de la beauté partout, et on est dans des scènes où il y a une femme et des beaux jeunes gens, ils sont à moitié face dénude, c'est parfumé, donc on est dans cette érotique-là. Il y en a une qui est unique, mais que je trouve très intéressante, c'est celle-là. On a une borne, et puis un homme en manteau qui vient, comme dit Théonis, il n'y a rien de plus agréable que d'aller au gymnase, regarder les jeunes gens, et on est au gymnase parce que là, il y a écrit Spadio. Spadio comme stadio, c'est on est au stade. Donc là, c'est vraiment du Magritte pour le coup, il inscrit de Dieu dans le cœur. Et il y en a une autre, du même genre, qui montre deux athlètes avec leur strigide autour d'un pilier. Et le pilier, il fait quelque chose de très intéressant, il donne des noms. Il donne le nom de Castor et Pollux, Castor et Pollux, les jumeaux. Alors, après, c'est vous qui faites le boulot. Je ne pense pas que ces deux gars-là soient Castor et Pollux. Mais ils sont comme Castor et Pollux. C'est les jeunes gens à la palace qui rendent hommage à Castor et Pollux. Et je crois que je ne suis pas très loin de la fin. C'est un fragment et j'aimerais bien voir le reste. Donc ça, c'est le médaillon d'une coupe. J'imagine que là, il y a un beau jeune homme que vous ne voyez plus. Mais il y a écrit Apollodoros Kalos. Et c'est un des Kalos les plus fréquents. Et puis, il y en a une qui est assez unique. Très intéressant. Il a l'air un peu crétin parce que là, la coiffure n'est pas terrible, mais c'est le médaillon d'une coupe qui représente un athlète près d'une borne. Sur la borne, j'ai un dessin ancien, voilà. Donc, sur la borne, on lit Opais Nalki Kalos. Le jeune homme, il est vraiment beau. Et il y a aussi l'inscription sur le corps. C'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et elle se lit Lakes Kalos. Donc c'est le nom de quelqu'un en particulier, et pas forcément le nom du personnage qui est représenté. Lakes Kalos, on le trouve sur plein de... Mais ce qui est intéressant, alors j'ai pas mis la diapo, mais peut-être vous avez en tête certains kouroi archaïques qui portent des inscriptions sur la cuisse. Ça existe pas à Athènes, ça existe à Samos, ça existe à Mégaryblea, dans le monde ionien. Et c'est une pratique qui s'applique au statut funéraire votive. Ça fait de l'athlète une statue. D'écrire sur son corps, ça le statufie d'une certaine façon. Et c'est le seul exemple que je connaisse, mais clairement, le peintre, il a joué avec cette possibilité. L'image peinte représente un athlète qui est présenté comme si c'était l'image d'une image de l'athlète. Puis je vais terminer avec, pareil, un autre unicum, une borne, de la palestre de nouveau, avec cette fois Kalos, il est sorti du bois, donc Eros, il est là, le désir, la beauté des jeunes gens. Mais si vous regardez sur la borne elle-même, non seulement il y a l'inscription Kalos, donc il y a du graphène, l'écriture, mais il y a aussi un pied et un profil dessiné, comme les graffitis au gymnase, là. Ils ont fait des petits dessins. Ça, c'est la seule que je connaisse, mais je trouve assez intéressant qu'il y a un peintre qui ait joué à mélanger ces deux registres et à les faire jouer dans ce contexte-là, de la palestre, du désir, de la beauté des jeunes gens, de la beauté athlétique, que le peintre a pour charge de transcrire en beauté.
là, mais oui, il y a peut-être des questions ou pas. Merci, madame, merci beaucoup. Merci de votre patience.